En mars 2015, la police de Valero aux États-Unis reçoit l'appel d'un homme paniqué qui leur dit que sa petite amie a été enlevée dans la nuit et qu'il a besoin d'aide. Le problème, c'est que bien vite, les enquêteurs découvrent qu'il avait un mobile qui aurait pu justifier un meurtre. L'enquête va alors prendre une tournure inattendue et de nombreux rebondissements vont même pousser les médias à faire un parallèle entre la victime et un film bien connu que vous avez même peut-être déjà vu. Gone Girl. A bizarre kidnapping case that looked like a real life Gone Girl. Is Huskins a real life Gone Girl like the movie? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de la disparition de Denise Huskins. Générique. La Californie est le plus peuplé des États des États-Unis, mais aussi le plus visité, notamment en raison du fait qu'il abrite plusieurs grandes villes très populaires comme Los Angeles, San Diego ou encore San Francisco, qui fait partie de la région de la baie de San Francisco, dite la Bay Area. Dans cette région, on peut par exemple trouver la célèbre Silicon Valley, où sont installés les sièges sociaux de nombreux géants qu'on connaît tous comme Apple, Netflix, Uber et même YouTube. Mais parmi ces zones au trafic intense, dans la Bay Area, il y a aussi des villes de plus petite taille où il fait bon vivre, loin du tumulte des métropoles, comme celle de Valero, située sur les rives de la baie de San Pablo. C'est là-bas qu'Aaron Quinn, un homme de 30 ans, a décidé d'acheter une maison en 2012, tout simplement parce qu'il s'est dit que c'était l'endroit parfait pour élever la famille qu'il comptait créer avec Jennifer Jones, sa fiancée. Malheureusement, il a par la suite découvert que cette dernière lui était infidèle, ce qui a conduit le couple droit à la rupture et permis la création de nouveaux liens amoureux avec une autre personne en 2014. Aaron est physiothérapeute au Kaiser Permanente Medical Center à Valero et cette année-là, très peu de temps après sa séparation, il rencontre Denise Huskins, une jeune femme de 29 ans qui vient d'arriver dans son département pour y effectuer son internat. Ils sont collègues et se voient donc assez souvent. Entre eux, le courant passe tout de suite et ils sont immédiatement attirés l'un par l'autre. Le problème, c'est que la situation est compliquée parce que l'un souffre encore de sa récente rupture, ce qui forcément n'inspire pas forcément confiance à l'autre. Ensemble, ils décident malgré tout de se donner une chance, mais si au départ tout se passe bien, un événement inattendu vient bouleverser le cours de leur existence l'année suivante. Le 23 mars 2015, en début d'après-midi, la police de Valero reçoit un appel d'Aaron. Il leur révèle que Denise, sa petite amie, a été enlevée chez lui dans la nuit et qu'ils doivent immédiatement lui envoyer de l'aide. Il est environ 14h quand des membres des forces de l'ordre tapent à sa porte pour en savoir plus. Ils remarquent immédiatement qu'il n'est pas dans son état normal, qu'une caméra est fixée au mur, mais aussi qu'il y a du scotch qui délimite une certaine zone sur le sol du salon. Aaron leur livre alors un récit des plus incroyables. Il raconte que vers 3h du matin, Denise et lui ont été réveillés par une lumière blanche clignotante qui illuminait le mur de leur chambre et que la pièce était également traversée par un point rouge émanant de visées laser. Encore dans le gaz, il a eu du mal à prendre conscience que c'était bien réel, mais il a ensuite réalisé qu'un homme qui était entré par effraction dans la maison se tenait près du lit. L'intrus était habillé tout en noir et leur a immédiatement dit qu'il s'agissait là d'un simple cambriolage, qu'il en voulait simplement à leur argent et qu'il n'avait en aucun cas l'intention de leur faire du mal. Puis il a demandé à Denise de se lever et d'attacher les mains de son petit ami dans son dos, ainsi que ses pieds, après quoi il lui a ordonné de se diriger vers le placard de la chambre en gardant la tête baissée. Une fois à l'intérieur, l'homme l'a attaché, puis a amené Aaron, et pendant ce temps, des bruits de perceuse se faisaient entendre au rez-de-chaussée, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir les armoires fermées à la recherche d'objets de valeur. Il y avait donc apparemment au moins deux personnes dans la maison, mais il n'a pas été possible pour le couple d'en savoir plus parce que l'individu qui se trouvait avec eux a placé un casque sur leurs oreilles et même des lunettes de plongée recouvertes de gros scotch noir pour les empêcher de voir quoi que ce soit. Des messages audio préenregistrés leur ont ensuite été joués et dans ces derniers, on leur disait qu'on allait maintenant leur donner des sédatifs et que s'ils refusaient de les prendre volontairement, on les leur administrerait de force avec une injection. L'individu a ensuite élevé la voix pour signifier à Denise qu'il allait l'emmener dans la chambre voisine, la pièce où se trouve le routeur de la maison.
Alors pourtant, qu'aucun des membres du couple n'avait mentionné l'emplacement de l'objet, l'homme en a parlé de lui-même, comme s'il savait déjà où il se trouvait. Plutôt bizarre, non? Parce que bah, c'est normalement le genre de détail dont on a connaissance uniquement quand on est familier des lieux. Mais attendez, parce que c'est loin d'être fini. Aaron raconte à la police qu'à ce moment-là, il était horrifié et ne comprenait pas le pourquoi de toute cette mise en scène, s'il s'agissait d'un simple cambriolage, jusqu'à ce que son prénom soit énoncé clairement dans l'enregistrement audio. C'est ce détail qui lui a fait réaliser que rien de tout ça n'était dû au hasard et que ça avait sûrement été planifié. Dans la suite des messages audio, le ton n'était plus du tout le même parce qu'il disait qu'on allait leur demander des informations personnelles et bancaires et que s'ils mentaient, on allait s'en prendre physiquement à eux. Devant de telles menaces, Aaron a tenté de rester calme et d'aller dans le sens des instructions qui lui étaient données en espérant qu'une fois que les intrus auraient obtenu ce qu'ils voulaient, ils s'en iraient. Il a donc obtempéré, sans faire d'histoire, quand on lui a demandé son numéro de sécurité sociale, ses numéros de carte et tous les codes permettant l'accès à son compte ainsi qu'à sa boîte mail, tout en notant qu'en vérité, l'homme qui posait les questions semblait déjà très bien renseigné. Il savait par exemple quelle banque détenait les actifs d'Aaron avant qu'il ne le lui dise, mais le plan bien rodé des cambrioleurs ne l'était en réalité pas tant que ça parce qu'à force de poser des questions, l'intrus a apparemment fini par avoir un doute. Il a demandé à Aaron si Denise ressemblait physiquement à Jennifer, son ex-fiancée, dont il connaissait le prénom encore une fois, ce à quoi il a répondu que oui, et l'individu lui a alors dit qu'ils avaient eu les mauvais renseignements. Malheureusement, le fait qu'ils aient manifestement fait erreur concernant l'identité d'un des membres du couple n'a pas provoqué l'abandon de leur plan, bien au contraire. Après avoir pris un temps de réflexion, l'homme a fait descendre Aaron au rez-de-chaussée et il l'a fait asseoir sur le canapé avant de lui donner des instructions encore une fois très précises. Il lui a montré une caméra placée au mur et une zone délimitée par du scotch collé au sol dans la pièce avant de lui expliquer qu'il comptait le laisser là mais qu'il serait sous surveillance permanente et ne devait pas aller au-delà des limites du scotch. Pour le reste, il lui a précisé qu'ils allaient communiquer avec lui par SMS et email via une adresse spécialement créée pour l'occasion. Aaron explique aux officiers que, malgré tout, son interlocuteur s'est montré plutôt prévenant à son égard. Il lui a attaché les chevilles ensemble avec du scotch, mais lui a ensuite demandé s'il se sentait bien là avant de lui apporter une couverture quand il s'est entendu répondre que sa victime avait froid. Petit détail intéressant, après s'être excusé, il lui a révélé qu'il n'avait pas réalisé que la température était basse dans la pièce parce qu'il portait une combinaison de plongée, ce qui est en réalité assez malin parce que ça permet de ne pas laisser de traces ADN, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins qu'avec des vêtements normaux. Aaron devait rester à l'endroit délimité jusqu'au matin et demeurer joignable en permanence, puis se faire porter pâle au boulot et faire la même chose concernant Denise via son téléphone qui lui a également été laissé par l'homme. Après avoir obtenu le feu vert des supposés cambrioleurs, il devrait ensuite se rendre à la banque et retirer une certaine somme. L'intrus a finalement précisé à Aaron qu'il y avait deux règles d'or à respecter absolument. Il ne devait pas communiquer avec quelqu'un d'autre, ni même appeler la police, parce que dans le premier cas, Denise s'en retrouverait blessée, et dans le second cas, elle serait tuée. Suite à ça, le vide s'est fait dans la maison, laissant un homme désemparé qui a entendu sa petite amie se faire enlever et être placé dans le coffre de sa propre voiture, dont il a reconnu le bruit de fermeture. Après ça, le véhicule d'Aaron a été volé et ce dernier a lutté comme il a pu contre l'effet des sédatifs qu'on lui avait administrés pour parvenir à enlever les lunettes de plongée et libérer ses mains. Il s'est endormi plusieurs fois, mais est parvenu à respecter les instructions données par les ravisseurs jusqu'aux environs de 11h30. C'est à ce moment-là qu'ils lui ont donné des nouvelles, précisant qu'ils voulaient deux versements de 8 500 $. Aaron leur a répondu et aucun message n'a suivi pendant une bonne demi-heure. C'est là qu'il a commencé à réfléchir sérieusement et à se dire que s'il leur donnait ce qu'il voulait, il n'aurait plus aucune raison de garder Denise en vie. Il pourrait tout aussi bien revenir pour le tuer lui aussi, bref, impossible pour lui de faire confiance à des gens capables de tout ça. L'idée lui est alors venue de contacter son frère, Ethan, qui se trouve être un agent du FBI. Quand le concerné a reçu l'appel de son frangin, il lui a dit d'ignorer les menaces des ravisseurs et d'appeler immédiatement le 911, ce qu'il a fait comme je vous le disais au début de la vidéo. Seulement, les deux officiers envoyés sur place n'ont pas réagi comme on aurait pu s'y attendre, parce que dès leur arrivée,
il remarque des choses qui les poussent à croire que ce qu'ils viennent d'entendre n'est peut-être pas tout à fait la vérité. Disons-le franchement, cette histoire de cambriolage puis d'enlèvement est complètement ubuesque et elle semble tout droit sortie d'un film. En plus, il flotte comme une odeur de frais dans la maison, comme si on y avait fait un grand ménage, et les tapis ont d'ailleurs tous l'air d'avoir été nettoyés récemment. Mais ce ne sont pas les seuls éléments suspects relevés par les policiers parce que quand ils montent à l'étage dans la chambre d'Aaron, ils remarquent ce qui ressemble à une tache de sang sur le drap qui recouvre le lit, sur lequel il manque aussi une couverture. Et tout ça vient s'ajouter au fait que la voiture du propriétaire des lieux est introuvable et qu'il a en sa possession le téléphone de Denise, dont il s'est en plus servi pour justifier son absence au travail. De même, que penser du temps que ce petit ami, soi-disant si inquiet pour sa moitié, a mis pour contacter la police vu l'urgence de la situation qu'il leur a décrit ? Non, à leurs yeux, le récit d'Aaron n'est pas clair du tout, et il se pourrait bien qu'il cache quelque chose, donc il décide de débrancher la caméra de surveillance fixée au mur et de l'emmener au commissariat pour lui poser quelques questions. Une fois sur place, l'homme est soumis à un prélèvement ADN et on récupère ses vêtements pour les analyser, puis il est emmené en salle d'interrogatoire où on lui demande de raconter à nouveau ce qu'il s'est passé sans omettre aucun détail. Matt Mustard, le détective chargé d'interroger Aaron, a, tout comme ses collègues, de sérieux doutes concernant la véracité des propos qu'il tient, d'autant plus qu'à force de le questionner, l'enquêteur découvre l'existence de gros problèmes dans sa relation avec Denise. I mean, did she like discover something? Well, I mean, was she like going through your phone and like, you know, what the hell is she this? She went through my phone. What'd she find? Found text messages. Yeah. What did it say? Saying I still care. I want to work things through with her. En effet, la relation d'Aaron et Denise n'allait en réalité pas si bien que ça, parce que le mois précédent, elle avait découvert qu'il parlait encore à Jennifer, son ex-fiancée, dans son dos, et que ces discussions n'avaient rien d'innocent. Forcément, les semaines qui ont suivi ont été compliquées pour le couple, et le soir du 22 mars, qui a précédé la nuit durant laquelle les faits se sont soi-disant produits, c'était justement pour prendre une décision concernant leur avenir commun qu'ils avaient décidé de se voir. C'est le genre de situation qui peut facilement conduire à une énième dispute, une altercation verbale qui aurait facilement pu déraper pour devenir une confrontation physique. Pour résumer, à ce moment-là, Matt comprend qu'il est possible qu'Aaron ait, intentionnellement ou pas, fait du mal à Denise, et qu'à travers son récit rocambolesque, il cherche peut-être tout simplement à couvrir le fait que c'est lui qui l'a fait disparaître. Vous savez ce qu'on dit, souvent en matière de mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. L'interrogatoire prend alors une toute autre tournure parce que Aaron passe du statut de témoin dans le cadre d'une affaire d'enlèvement à celui de principal suspect dans le cadre d'une enquête pour meurtre. The story you're telling here, I ain't buying it all. You got to think about how this is all going to play out. I don't have anything to think about. I'm telling you what. Hey, listen to me. There ain't no frogmen came into your house. Nobody dressed in wetsuits or. Matt est persuadé du fait qu'Aaron ment et il essaye de le pousser à avouer qu'il a tout inventé, mais ça ne semble pas gagné. The frogmen obviously didn't do it. So who did it now? Well, it's the guy that I've been sitting here talking to tonight. So now I get out my puzzle pieces and I start figuring out, okay, how do I make it so you look like a monster? I don't want to do that. Ultimately, I'm looking for the truth. Malgré la pression qui lui est imposée par l'enquêteur, le suspect reste sur sa version des faits. Et il est vrai qu'à première vue, ce dernier n'a pas vraiment le profil du coupable idéal. C'est même plutôt l'inverse. Pendant son adolescence, Aaron était quarterback dans l'équipe de football américain de son lycée. C'était le genre de garçon populaire qui se place naturellement en leader, tout en étant très apprécié pour ses principes. Après ça, ses années de jeune adulte n'ont été marquées par aucun écart de conduite particulier, et il a mené une vie tout à fait tranquille,
si on met de côté les déboires relationnels qu'il a vécu récemment avec Jennifer, puis avec Denise. Et c'est aussi là-dessus que Matt compte, parce qu'il tente, pour ainsi dire, de faire appel au bon côté d'Aaron en mettant en avant la thèse de l'accident. Je ne pense pas que ça a été intentionnel. Je pense que quelque chose a été accidentel. Et vous avez atteint le point où vous avez réagi de la façon que vous avez fait et vous avez dû venir avec cette histoire. Mais là encore, rien n'y fait, Aaron ne craque pas. Et l'enquêteur décide de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de le soumettre à un test polygraphique qui est conduit par un agent du FBI. All right, Aaron, there's no question in my mind that you failed this test. And you failed it miserably. It's not even close. I did not do anything. Okay. I did. I'm pretty sure maybe you didn't. Maybe you didn't do maybe you didn't do anything. Maybe she something happened to her that you didn't plan. Maybe she I don't know. You tell me. But it can't start with three guys showing up at the house taking her away. That's not what happened. You know where she is. I don't know where she is. I want you guys to find her. I don't know where she is. En fin d'après-midi, le bras de fer qui s'éternise entre Aaron et les forces de l'ordre semble l'avoir laissé à bout de force, psychologiquement comme physiquement, et il décide d'arrêter totalement de collaborer. L'homme demande à voir un avocat, et étant donné qu'il n'a pas fait d'aveu, toute inculpation est impossible, et il doit être libéré. La situation se retrouve donc dans une impasse, alors que Denise, de son côté, reste totalement introuvable. Qu'elle ait été enlevée, comme Aaron l'affirme, ou qu'elle soit déjà morte, comme le présume la police, elle n'a en tout cas pas refait surface depuis les faits. Mais c'était sans compter sur le San Francisco Chronicle, un journal local, qui apporte une pierre inattendue à l'édifice le lendemain matin en livrant aux enquêteurs un curieux message audio qu'on vient de leur envoyer anonymement. C'est bel et bien la voix de Denise qu'on entend dire qu'elle a été enlevée. Et le crash d'avion qu'elle mentionne est celui de la 320 de Germanwings qui s'est produit le 24 mars 2015 dans les Alpes du Sud. L'incident s'est déroulé aux environs de 11h en France et à ce moment-là, il était dans les 2h du matin à Valero aux États-Unis. Cet enregistrement est donc une preuve formelle que la petite amie d'Aaron était toujours en vie dans la nuit, ce qui invalide, de fait, les accusations de meurtre portées à son encontre par la police. Quoi qu'il se soit vraiment passé, l'homme disait la vérité quand il affirmait ne pas l'avoir tué. Il est alors convoqué au commissariat à nouveau, et les autorités semblent cette fois accorder un petit peu plus de crédit à son histoire. Si Denise a bel et bien été enlevée, il faut retrouver les responsables du kidnapping au plus vite, et c'est désormais dans cette direction que partent les investigations. C'est pourquoi on demande à Aaron de contacter les ravisseurs. Son téléphone avait été saisi, puis placé en mode avion, et il ne l'avait pas récupéré depuis. Une erreur a peut-être été commise parce que dès que la réception de données est réactivée sur l'appareil, on peut voir que ceux qui détiennent supposément la jeune femme ont déjà tenté d'appeler 3 fois. Mais cette nouvelle enquête qui débute à peine tourne vite court parce que le lendemain, une nouvelle des plus surprenantes fait la une de tous les médias. Le 25 mars 2015, dans la matinée, celle que tout le monde recherchait réapparaît saine et sauve à Huntington Beach, une ville qui se trouve à plus de 650 km de Valero. Les autorités locales en ont été informées après que Denise ait voulu se rendre chez ses parents, qui vivent tout près du lieu où elle dit avoir été déposée. Elle a trouvé porte close, a laissé un message sur le répondeur de son père, puis elle a finalement été se réfugier chez un voisin de sa famille. Ses proches, eux, avaient fait le déplacement jusque Valero, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de leur fille, et ils s'y trouvaient toujours. Alors, dès qu'ils ont eu son message, ils ont contacté la police d'Huntington Beach, qui a envoyé des officiers à sa rencontre. Quand ils l'interrogent, Denise leur livre la même version que celle qui a été donnée par Aaron, à l'exception de quelques détails dont elle seule avait connaissance, comme par exemple le fait que l'un des intrus lui avait dit, avant même qu'il ne l'enlève, qu'elle serait relâchée au bout de 48 heures. Mais une question demeure. Que s'est-il passé pendant ces 2 jours? C'est évidemment ce que les officiers vont lui demander. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce qu'elle va leur répondre. La jeune femme raconte qu'après avoir été placée dans le coffre de la voiture de son petit ami, malgré l'effet des sédatifs qu'on lui avait administrés, elle a pu se rendre compte que le véhicule avait roulé pendant des heures avant d'arriver à destination. Denise révèle ensuite aux officiers qu'une fois sur place, elle était en permanence aveuglée et n'a pas pu voir le visage de l'homme qui était avec elle, mais qu'elle est sûre qu'il était seul, contrairement à ce qu'elle avait pu observer chez Aaron
avant son enlèvement. Là-bas, avant qu'on ne place les lunettes de plongée recouvertes de scotch sur son visage, elle avait pu apercevoir deux paires de jambes alors qu'elle se dirigeait vers le placard de la chambre tête baissée. Denise confirme aussi que la personne avec qui elle se trouvait n'avait visiblement pas pour but de lui faire du mal, même s'il lui administrait à plusieurs reprises de fortes doses de benzodiazépine. Did you ever ask him to let you go? I asked him if he was going to hurt me. I asked him if he was going to kill me. He had said there was no reason for that. Were you sexually assaulted or anything like that during this? No. They didn't touch you or do anything to you against your will? No. It's weird because with all things considered, they treated me really nicely. Cela dit, les officiers de police d'Huntington Beach tiquent un petit peu. D'abord parce que Denise a l'air assez calme pour une personne qui a été enlevée et droguée pendant deux jours, mais aussi parce qu'elle porte des lunettes de soleil et a été déposée à quelques centaines de mètres de chez ses parents, avec son manteau et même son sac. Apparemment, les ravisseurs avaient été prévenants, au point d'emmener aussi les affaires qu'elle avait prises chez Aaron. En fait, à ce moment-là, on aurait presque pu croire qu'elle rentrait simplement chez elle après avoir passé une nuit à l'extérieur. On fait savoir à Denise qu'elle va devoir se rendre au commissariat local pour parler à des enquêteurs, mais elle demande à voir un avocat avant toute chose, ce qui lui permet d'éviter cette entrevue et de pouvoir prendre sans tarder la route en direction de Valero. Là-bas, les policiers viennent d'être mis au parfum par leurs collègues d'Huntington Beach, et il est assez clair que les officiers qui ont interrogé la jeune femme ont des doutes concernant la véracité de ses propos. Le FBI s'implique également et propose à Denise de la ramener à Valero à bord d'un de leurs jets privés, mais la jeune femme refuse, ce qui ne manque pas d'éveiller encore plus leurs soupçons. En gros, il est fort probable à présent qu'on la regarde de travers quand elle arrivera là-bas. Et justement, une fois de retour à Valero, Denise semble éviter la police qui en donne confirmation via une conférence de presse, ce qui, disons-le franchement, n'a pas grand-chose d'un comportement qui indique qu'elle était complètement honnête. À partir de ce moment-là, l'affaire prend une fois encore une nouvelle tournure parce que les enquêteurs commencent à se dire que toute cette histoire d'enlèvement pourrait en vérité n'être qu'un gigantesque canular monté de toutes pièces par Aaron et Denise eux-mêmes. Et si c'est le cas, ça pourrait bien leur coûter très cher. The statement that Mr. Quinn provided was such an incredible story, we initially had a hard time believing it, and upon further investigation, we were not able to substantiate any of the things that he was saying. From this point forward, I would not refer to them as a victim or a witness. Ils ne disent pas directement qu'il s'agit d'un canular ou même d'un mensonge, mais sous-entendent clairement que rien n'est vrai dans la version du couple. Certains médias, de leur côté, commencent à évoquer une toute autre hypothèse, celle d'un enlèvement orchestré par Denise pour se venger de la trahison qu'elle avait subie de la part d'Aaron un mois plus tôt. Un peu à la manière du scénario du film Gone Girl, adapté du livre du même nom, avec lequel ils font d'ailleurs très régulièrement le parallèle. Pour une grande partie de l'opinion publique, Denise est désormais la Gone Girl, ce qui ne lui donne pas vraiment bonne presse. Pour résumer, peu importe la raison évoquée pour expliquer le mensonge, tout le monde pense à présent que l'enlèvement n'a jamais eu lieu, et la situation risque même de s'envenimer pour le couple. The fact that we've essentially wasted all of these resources for really nothing. Jaquin and Ms. Huskins has plundered valuable resources away from our community. It is Mr. Quinn and Ms. Huskins that owes this community an apology. There are still some loose ends that we need to tie up, and at the conclusion of the investigation, if you feel that there is sufficient evidence to move forward, we will be requesting criminal charges. Pourtant, il y a des éléments qui permettent de douter du fait que tout ait été inventé, en premier lieu parce que le 26 mars 2015, le San Francisco Chronicle reçoit un second message anonyme, écrit cette fois-ci. Son rédacteur y mentionne des détails explicites concernant l'enlèvement et y a même joint des photos, dont une de la chambre dans laquelle Denise était soi-disant détenue, à la façon d'un criminel un petit peu vexé qu'on parle de ses méfaits comme d'une blague et qui cherche à les revendiquer. Cela dit, ce mail pourrait avoir été envoyé par n'importe qui et il ne contient aucune preuve formelle, alors la police ne mord pas à l'hameçon. Le 30 et le 31 mars, deux autres messages du même genre sont envoyés au lieutenant Kenny Park, l'officier qui parle en conférence de presse, sans que ça ne fasse réagir quiconque. En prévision d'éventuelles poursuites de la part des forces de l'ordre de Valero, le couple, qui est fortement suspecté d'avoir fait perdre
de précieuses ressources à la communauté, décide d'engager de nouveaux avocats à San Francisco. Pendant la rencontre de Denise avec le sien, elle livre une toute autre version de ce qu'elle a subi pendant son enlèvement. Elle dit qu'en réalité, elle a bel et bien été violée deux fois, mais qu'elle n'en a rien dit à la police parce qu'elle avait peur. En effet, selon ses dires, son ravisseur lui a affirmé avoir filmé les agressions sexuelles, puis avoir certifié qu'il rendrait les vidéos publiques si elle parlait aux autorités après sa libération. Denise ajoute que l'homme lui a dit faire partie d'une organisation criminelle qui compte 3 autres membres, ce qui n'a fait qu'intensifier sa peur de se confier concernant les viols. Il est à noter qu'elle avait déjà été victime d'une agression sexuelle lorsqu'elle était enfant, ce qu'elle a d'ailleurs raconté à son ravisseur en espérant que ça l'empêcherait peut-être de la toucher, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Après avoir pris connaissance de ces faits, l'avocate de Denise a immédiatement demandé à ce que sa cliente subisse un examen génital, ce qui a apparemment été sans cesse repoussé par la police de Valero. Le couple est désormais très mal perçu par tout le monde, des policiers jusqu'à l'opinion publique. Il n'y a en définitive que leurs proches qui semblent les croire et les soutenir. La situation leur est extrêmement difficile à vivre parce qu'en plus de ça, elle semble appelée à s'éterniser. Les jours, les semaines et même les mois passent sans qu'Aaron et Denise ne sachent si la police va ou non engager des poursuites à leur encontre. Il apparaît désormais certain qu'aucune enquête ne sera menée pour éventuellement trouver une preuve que l'enlèvement a bel et bien eu lieu. Il faut attendre le mois de juin 2015, soit 3 mois après les faits, pour qu'un rebondissement majeur intervienne dans l'affaire, parce que c'est à ce moment-là, plus précisément le 23 juin, qu'une certaine Misty Carosu passe un coup de fil au commissariat de Valero, qui prévient le FBI dans la foulée. Misty Carosu vient tout juste d'être nommée détective au sein des forces de police de Dublin. Bon, évidemment, il s'agit de Dublin en Californie, hein, parce que si c'était Dublin en Irlande, ça n'aurait pas beaucoup de rapport. Et elle dit que, selon toute vraisemblance, un homme qui a récemment commis une tentative de cambriolage dans son secteur pourrait bien aussi être celui qui a enlevé Denise 3 mois plus tôt. Le 5 juin, l'individu s'est introduit de nuit dans la maison d'un couple, mais quand il a essayé d'attacher la femme, son mari s'est attaqué à lui et en retour, le cambrioleur lui a asséné un violent coup de lampe de poche sur la tête avant de finalement prendre la fuite. Son mode opératoire était assez similaire à celui qui a été décrit par Aaron et Denise, et coup de chance, l'intrus a fait tomber son téléphone sur le lieu du crime en le quittant précipitamment, ce qui a permis à la police de remonter jusque lui. Les enquêteurs ont trouvé le numéro de sa mère dans son répertoire, et cette dernière leur a confirmé que son fils avait perdu son portable très récemment. L'homme en question est arrêté le 8 juin, et il se nomme Matthew Daniel Mueller. Il a 38 ans, et quand l'enquête qui le vise commence, il séjourne dans une cabane appartenant à sa famille, dans une région au sud du lac Tahoe. Ouais bon d'accord, mais alors du coup, c'est quoi le rapport avec l'enlèvement de Denise? Eh bien il se trouve que la voiture que conduisait Matthew était un véhicule volé, et que son propriétaire a dit à Misty qu'il lui avait été subtilisé près de chez Aaron, au moment où, justement, un enlèvement s'était produit dans le coin. C'est grâce à ce précieux témoignage que la détective a ensuite effectué des recherches sur le dit enlèvement et qu'elle est tombée sur l'histoire de la fameuse Gone Girl, dont elle avait d'ailleurs déjà entendu parler, comme beaucoup, via les médias. Et c'est encore une fois un tout petit détail qui va permettre de faire le lien, qui va tout changer pour Aaron et Denise. Il se trouve que lors de la fouille de la cabane où séjournait Matthew, la police a découvert plusieurs paires de lunettes de plongée recouvertes de gros scotch noir et que sur l'une d'elles, quelques cheveux blonds étaient restés collés. Le truc, c'est que la femme qui a été attaquée par le suspect à Dublin n'est pas blonde, contrairement à Denise. En plus de ça, il y avait également dans la cabane perquisitionnée un lit sans couverture, mais le drap qu'il recouvrait était froissé, comme si quelqu'un avait récemment dormi dessus. Un endroit qui ressemble d'ailleurs étrangement à celui de la photo reçue par le San Francisco Chronicle. On peut également mentionner la saisie de multiples ordinateurs et téléphones portables, de quelques pistolets paralysants, masques de ski, ou encore de pistolets à eau maquillés pour ressembler à de vraies armes, dont l'un possédait une particularité bien spécifique, un pointeur laser y était attaché, ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'ont rapporté Aaron et Denise, qui ont clairement vu des points rouges de laser traverser la chambre à leur réveil la nuit des faits. Matthew n'a pourtant pas du tout le profil typique auquel on aurait pu s'attendre de la part d'un criminel. Il a servi dans les Marines pendant 5 ans, et a même fait Harvard,
avant de passer avec succès l'examen pour devenir avocat en 2011. Seulement, quelques années avant, il avait confié à ses parents avoir été diagnostiqué bipolaire. Il semblerait que sa santé mentale se soit dégradée avec le temps. Lien de cause à effet, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a été suspendu de ses fonctions en 2013 pour non-paiement de sa cotisation annuelle, avant d'être définitivement radié du barreau en janvier 2015, après avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour n'avoir pas remboursé l'avance qui lui avait été faite par un client pour l'obtention d'une carte verte pour son fils, carte verte qui n'a jamais été obtenue au final. L'ex-avocat n'a pas de casier judiciaire, mais il avait déjà été considéré comme une personne d'intérêt dans le cadre d'investigations concernant deux autres incidents survenus dans des villes voisines en 2009. Un homme inconnu s'était introduit par effraction chez des femmes à Palo Alto et Mountain View et avait menacé de les violer, avant de finalement partir sans leur faire de mal. L'une des victimes a par ailleurs témoigné du fait qu'il lui avait bandé les yeux. Et les récentes investigations qui ont suivi l'arrestation de Matthew laissent penser qu'il n'était peut-être effectivement pas étranger à tout ça à l'époque, parce qu'elles ont pu déterminer que l'un des ordinateurs portables saisis dans sa cabane appartient en vérité à Aaron. Quant aux coordonnées GPS de la voiture volée, elles indiquent que c'est très probablement ce véhicule qui a déposé Denise à Huntington Beach le 25 mars, parce qu'il s'est arrêté pile à l'adresse où on l'a laissé, le même jour, à la même heure. Difficile de faire plus troublant comme ensemble de coïncidences. Du coup, le 29 juin 2015, Matthew, qui était déjà en détention pour les crimes commis début juin à Dublin, est également inculpé devant la cour fédérale de Sacramento, en Californie, pour l'enlèvement de Denise contre rançon. En revanche, les charges de viol, de cambriolage et de vol qualifié ne sont pas retenues parce qu'il n'y a aucune juridiction en cour fédérale pour ces crimes. Vous vous en doutez, après tout ça, Aaron et Denise sont soulagés de voir enfin la vérité éclater, leurs noms sont lavés de tout soupçon, mais le ressentiment domine parce qu'il s'avère que la police de Valero a quand même commis pas mal d'erreurs. Les enquêteurs ont directement considéré Aaron comme le suspect potentiel d'un meurtre et ont placé son téléphone en mode avion, alors que c'était le seul moyen disponible pour communiquer avec celui qui détenait Denise. Denise, qui venait d'être enlevée, droguée et violée par son ravisseur, et qui a elle aussi été soupçonnée quasi immédiatement après sa libération, sans que personne ne lui montre aucune compassion. La police a tenu une conférence de presse où ils ont publiquement blâmé le couple, largement sous-entendu qu'ils avaient tout inventé, et à cause de ça, ils ont subi un lynchage médiatique. Ce qui fait que Denise et Aaron ont été littéralement mis au ban de la société pendant des mois, quand bien même, depuis le départ, ils disaient tous les deux la vérité, des témoignages dont personne n'a tenté de vérifier l'authenticité. Pour toutes ces raisons, le couple attend bien évidemment des excuses publiques, mais ils n'obtiennent qu'une lettre envoyée de façon privée par celui qui est le chef de la police de Valero à ce moment-là. L'année suivante, en 2016, Aaron et Denise intentent un procès au civil contre la ville de Valero et son département de police, ainsi que les membres des forces de l'ordre directement impliqués, notamment pour diffamation. Le litige est finalement réglé à l'amiable entre les différentes parties et les poursuites sont abandonnées contre le paiement de la somme de 2,5 millions de dollars. Toutefois, personne n'a admis ses torts dans cette affaire. Matthew Mueller, quant à lui, a été condamné à 40 ans de prison pour l'enlèvement de Denise contre rançon le 16 mars 2017, après avoir accepté un accord de plaidoyer, ce qui lui évite l'emprisonnement à vie. Cela dit, le 15 mars 2019, il est condamné à 31 ans de prison supplémentaire, mais ça ne change en vérité pas grand-chose, parce qu'il doit purger cette seconde peine en même temps que la précédente. Matthew a cette fois plaidé coupable de deux chefs d'accusation de viol, mais également de vol, de cambriolage et de séquestration. Il a été révélé qu'il utilisait un drone pour espionner Aaron et Denise avant les faits, et que c'est bien lui qui a envoyé les messages anonymes au San Francisco Chronicle, puis au lieutenant Kenny Park. Quelques questions restent cependant en suspens parce que le couple affirme qu'il y avait bien plusieurs personnes dans la maison la nuit des faits. De même, pourquoi Matthew avait-il autant de renseignements sur Aaron alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout? Qui a bien pu les lui fournir? Et pour finir, le mystère demeure également entier concernant le lien entre Jennifer Jones, l'ex-fiancée d'Aaron, et tout ça. Le ou les intrus semblaient savoir qui elle était et la cibler très clairement, vu qu'ils ont admis qu'une erreur avait été commise après avoir appris que la femme qu'ils avaient en face d'eux était Denise et non Jennifer. Il est peu probable qu'on n'obtienne jamais des réponses à ces questions, mais je suis impatient de lire vos théories sur les sujets en commentaire.
Pour finir sur une note positive, sachez qu'Aaron et Denise sont toujours unis à ce jour. Ils se sont mariés en 2018 et Misty Carozu, la jeune détective qui avait fait le lien entre Matthew Mueller et leur affaire, a d'ailleurs été invitée à leur mariage. Le couple a ensuite eu une petite fille qu'ils ont prénommée Olivia, et hasard ou coïncidence, elle est née le 25 mars 2020, soit tout pile 5 ans après le jour où sa mère a été libérée par son ravisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, je vous laisse faire ce qu'il faut, un pouce bleu, un partage, et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune des prochaines affaires. De mon côté, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut !